c'est moi qui parle mal, pardon. Ne me montrez pas du doigt. Bien sûr, t'aurais peut-être pu le sauver. Si au 8e, j'avais dit assez. Mais la foule aurait sifflé. Ils en voulaient pour leur argent, tu sais. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Il y en a d'autres au-dessus de moi. C'est pas moi qui les fait tomber. Vous ne pouvez pas m'accuser. Qui a tué des morts? Qui est responsable et pourquoi est-il mort? C'est pas nous qui la foule en colère. Nous avons payé assez cher. C'est bien dommage, mais entre nous, vous aimons un bon match, c'est tout. Mais quand ça barre d'un coup, ça vient. Et vous savez, on n'y est pour rien. C'est pas nous qui l'avons fait tomber. Vous ne pouvez pas nous accuser. Qui a tué des vivants? Qui est responsable? Pourquoi est-il mort? Ce n'est pas moi qui suis son manager à part, tirant sur un gros cigare. C'est difficile à dire et à expliquer. J'ai cru qu'il était en bonne santé. Pour sa femme, ses enfants, c'est bien pire. Mais s'il était malade, il aurait pu le dire. C'est pas moi qui l'ai fait tomber, vous ne pouvez pas m'accuser. Qui a tué des vivants? Qui est responsable et pourquoi est-il mort? C'est pas moi, dit le journaliste de la tribune. T'attends son papier pour la une. La boxe n'est pas en cause, tu sais, dans un match de foot, il y a autant de danger. La boxe est une chose saine, ça fait partie de la vie américaine. Ce n'est pas moi qui l'ai fait tomber, vous ne pouvez pas m'accuser. Qui a tué des vivants? Qui est responsable et pourquoi est-il mort? Ce n'est pas moi, dit son adversaire, lequel a donné le dernier coup mortel. De Cuba, il a pris la fuite, où la force est maintenant interdite. Je l'ai frappé, bien sûr, ça c'est vrai. Mais pour ce boulot, on me paye, ne dites pas que je l'ai tué. Et après tout, c'est le destin, Dieu l'a voulu. Qui a tué des vivants? Qui est responsable? Pourquoi est-il mort?